Salut les fans de Raid. Eh oui, regardez. 2000 ans, direction Gardaland pour ce troisième jour. Eh oui. Donc, petit détour par De Gênes. Donc, en Flixbus jusqu'à Gardaland. Il est minuit, direction Gardaland, voilà. J'arriverai vers 2-3 heures du mat et au parc ensuite, voilà. Allez, je vais dodo dans le bus. Coucou les amis, je n'ai pas vlogué hier soir car il faisait extrêmement froid mon arrivée à Vérone, regardez. Quoique il fait toujours froid quand même. Hein. Alors, c'est parti direction Gardaland. Je me rends donc à la gare ici de Vérone pour aller à Perske de Garda. Où je irai donc au parc. Et il fait froid, je vous le dis direct. Hein. Ça va pas être une partie de plaisir de rider aujourd'hui. J'espère que du coup il n'y aura pas trop de monde. Aujourd'hui, on va rider du BM. Ça va être sympa. Voilà. Je vous montre après un peu le stand d'ici de Vérone. Même si je visiterai ce soir, parce que là, pour l'instant, direction la gare. Allez, j'ai pris un petit billet de Vérone jusqu'à Pesce del Garda. Donc, je vais prendre un train à la voie 7, direction Milan, où je vais m'arrêter à Pesce del Garda pour aller au parc de Gardaland. C'est très très simple ce trip. Je m'attendais à un truc super hard et tout, genre à la voie 7. C'est assez simple. Par contre, qu'est-ce qui fait froid? Il fait très froid. Voilà. Et le train est là, vous voyez. C'est ce train-là. Voilà, allez, à tout de suite. Regardez, les amis. L'affiche de Gardaland. Donc, on est à la gare de Pesce de Garda. Direction le parc de Gardaland. Alors, je vais devoir marcher un petit peu. Mais bon, voilà. Bien arrivé à destination. Les amis, je vais vous montrer un peu. Vous avez des bus gratuits ici. Et alors là-bas, à l'autre bout, vous avez tout simplement, si vous regardez pour les concurrents Movieland, aussi une navette de bus. Pour ceux qui voudraient faire des trips, c'est très simple. Vous avez des Flixbus qui descendent ici en fait. Donc j'aurais très bien pu prendre éventuellement un Flixbus jusqu'ici, je pense. J'aurais dû me renseigner. Mais je crois qu'il n'y avait pas directement depuis Gênes. Voilà, donc là je vais attendre le bus qui arrive dans une petite quart d'heure et après direction le parc, voilà. Dans le bus pour aller à Gardaland, voilà. Regardez, l'arrêt est juste là. Et on part pour le parc, voilà. Le bus il a de la gueule, il y a les coasters dessus, on voit Raptor, Oblivion, tout ça. C'est très très sympa, voilà. Allez, on se retrouve à l'entrée du parc. C'est pas un bon exemple, mais derrière si. J'ai du Raptor, du Oblivion, voilà. On est arrivé parc de Gardaland, enfin au parking plutôt, parking qui a pas l'air très rempli au final, ça a l'air très très correct, ça va être bien sympa, regardez. Donc là direction les caisses pour aller chercher le petit ticket. Regardez, c'est Noël. Allez, direction le grand parc. Regardez, je suis avec mon petit carton de céréales là que j'ai acheté au Lidl. Regardez comme c'est sympa à l'entrée là. Voilà, je vlog déjà l'entrée. Gardaland. Alors j'ai essayé de vous faire le Kiton Ride aujourd'hui. Mais pas de suite parce qu'il faut que je crédite. Mais je vais essayer. Je vais quand même essayer de vous les avoir. Je vais voir en fonction de... Je vais checker d'abord si je vous les chope ou pas. Et regardez, il y a même les tailles à l'entrée. Ça c'est top. Déjà ça commence bien pour le parc. C'est une bonne chose. C'est très propre. L'entrée, bon, j'ai pas encore tout vu, mais c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Bon, c'est pas la théma de P ou de Fanta, quand même, hein, de ce que je vois pour l'instant, mais c'est pas mal du tout. Voilà. Vous voyez l'entrée qui est donc exceptionnellement pour l'hiver à 25 euros, avec donc la réduction à 50%. Et voilà. Donc, vous allez sur les caisses du parc. Et regardez là-bas. On voit du Wing BM et on voit du SLC, ça par contre c'est moins beau. C'est moins intéressant, on va dire. Et vous voyez, c'est ouvert de 10h30 à 18h aujourd'hui. On voit le quartier pour les gosses juste derrière. Ouais, pas. Voilà, ça y est. Le billet, le plan. Alors je vais faire un petit tour sur les attractions qui sont disponibles. Il y a à peu près toutes les attractions disponibles. Au niveau des coasters, il n'y en a que 6 sur les 9 d'ouvert. Le SCS est fermé. Genre celui que je voulais faire là déjà. Il y a aussi le Looper Vekoma là qui est fermé. Je préférerais que lui soit ouvert plutôt que le SLC honnêtement.
Et vous voyez, il n'y a pas beaucoup de monde dans le parc pour l'instant. Alors, est-ce que ça va être comme ça tout le temps? Je sais pas. Mais s'il n'y a que ça, c'est cool. Après, il y a aussi le Fuga de Atlantide, le water coaster qui est fermé. Donc, 6 coasters sur 9. Mais pour une dizaine d'euros l'entrée, je vais pas me plaindre quand même. Hein. Et donc, je vais essayer de profiter à mort. Premier coaster de la journée, ça va être Oblivion pour le 100e crédit. Voilà. Sauf si je décide d'aller à Raptor, selon le nombre de gens. Mais je pense que je vais aller d'abord sur Oblivion. Même si je stresse un peu, mais je me dis, ça se trouve, ils vont fermer la single sur Raptor. Ce que je n'espère pas. Bon, on est un week-end, normalement non. Et regardez, on va se rapprocher des grilles. Regardez, c'est sympa les décos. Alors franchement, au niveau de la déco, c'est assez bien, je trouve. Là, j'essaie de repérer vers où il va falloir que je cours. Vous voyez ? Il y a un carrousel là-bas, je vais me repérer. Et moi, je vais aller sur Oblivion, voilà. Donc, on va voir tout ça. Et on attend l'ouverture. Il y a un petit peu plus de monde, je sais pas du tout ce que ça va donner cette journée, on va voir. On va faire tous les rides, je pense, il n'y aura pas de soucis, mais en faire pas mal de coasters, ça va être un peu compliqué. Alors, je sais pas si je pourrais vous filmer, parce que ça sous-entend monter dans le coaster une première fois. Checker quand même s'il n'y a pas des caméras, j'ai pas envie quand même de me faire exclure, ça serait con. Et une fois que je vais tout créditer, éventuellement, si j'ai le time et que j'ai eu assez de temps, là, je serai de filmer. Mais là, pour l'instant, je vais d'abord faire un tour global du parc. Et après, je vais chain rider. Mais d'abord, tour global du parc pour vous montrer un petit peu. Alors, soit j'intégrerai les vidéos en début de vidéo, si j'ai pu en faire. Soit je les mettrai à la fin, soit j'en mettrai pas du tout, je vais voir. Et vous voyez déjà, il y a une carousel là-bas derrière. Les petites boules, mais pas avec les dragons comme à Fanta. Hein. Mais ouais, c'est assez verdoyant, ça rappelle un peu Walibi Sud-Ouest, mais en mieux niveau coaster. Voilà, bon, on va tester ça juste après, on attend encore 20 minutes là avant qu'ils ouvrent là. Il y a pas mal de gens qui attendent avec moi. Et juste après, voilà, ça sera foncé vers Oblivion. Donc nous sommes là à l'ouverture des Magic Winter. J'ai tellement couru que j'ai le temps de vous vlogger. Pas avoir le first row. Alors j'essaie quand même de me dépêcher. Parce que mine de rien, les gens peuvent arriver. Je vous ai filmé le spectacle. Dès que c'était fini, j'ai scanné le billet. Regardez. Le SLC est là. Voilà, et donc là on va direction Oblivion. Un autre crédit avec Mammouth ici. Direction Oblivion. Pour commencer la journée, voilà. On a du Raptor derrière.
et Oblivion. Là, on va essayer de se grouiller pour que je puisse faire les coasters assez rapidement. Crédité. Parce qu'il n'y a strictement personne derrière moi. Ça, c'est top. Voilà. Allez, je suis là, Oblivion. Le voilà, le coco. Oblivion. Alors là, c'est l'express. Je me suis grouillé en fait parce que j'ai pas envie de payer des express aujourd'hui. Regardez. Une dive BM. On va voir ce que ça vaut. Hein. Là, c'est de simplement trouver l'entrée d'Oblivion. Ce qui n'est pas chose facile. Ouais, c'est pour là. Ouais. Et Oblivion en phase de test. Il n'y a personne pour l'instant. On est alone. Pas pour longtemps. Il hein. Y a toujours le siège test. Et là, j'entre dans la file. Alors, attendez, allez, je vous le filme. La drop. Regardez. Je sais pas si je pourrais vous le filmer. Je pense que oui, quand même. Voilà. Oula, le trou là. Donc là. Voilà, je passais par là. Regardez, les gens commencent à arriver, mais très très peu. Hein. C'est... Je suis le premier. Faut taffer le cardio pour avoir le first row. Ah ben là, oui, là, j'ai taffé le cardio, j'ai le first row. Allez, c'est parti pour la file. Et voilà, c'est parti pour la file de Oblivion. Mon sixième BM. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais moi, j'ai envie de collectionner les BM. Regardez, c'est exactement comme la file d'entrée du parc. State per intraprendere il percorso verso il punto di non ritorno. Voilà. Faut en profiter tant qu'il n'y a personne. Parce qu'il y a une file single sur Raptor. Lui, il faut en profiter maintenant. Ça, je peux vous le faire que maintenant. Je pourrais pas le faire sur les autres coasters. Parce que je pense qu'il y aura du monde. Un vortex, ça. Bon, la théma est pas ouf ouf. Hein. Théma est pas ouf, ouf. C'est pas, faut prendre la sortie là. C'est un dôme en fait, c'est une sorte de laser game la file d'attente. C'est... Ah, de l'air, ça fait du bien ça. Allez. Tac. Ça fait très cité de l'espace encore. Si Blue Fire tu nous regardes, c'est un peu la même théma mais en moins bien. Je vais faire la théma de Blue Fire. Après, je sais pas, j'ai pas encore fait le coaster. Mais... Voilà. Et la file d'attente est très longue, ça me fait très peur ça. Ça a l'air plus long que Black Mamba au niveau file d'attente. Il doit y avoir beaucoup de monde dans ce parc. Regardez. Alors je dis bien, j'essaierai de vous ramener Don Ray. Allez, c'est open. Allez, boum. On va rider du BM là, voilà. Alors là, franchement, les escaliers, vous auriez pu faire un peu mieux au niveau théma. Comparaison, je trouve que le main train est mieux thématisé. Il n'y a personne dedans encore. C'est pas mal ça. Je pense qu'après, je vais filer sur le sur la souris Fabri là. Qui est à l'autre bout là-bas parce que. Je vais faire peut-être la tour là. La tour Intamin en deuxième. Mais je vais faire le fond du parc tant que je le peux. C'est là où il y a les mauvais débits. Voilà. Allez, c'est parti Oblivion. Il y a trois files, 1, 2, 3. Et moi évidemment je vais prendre le first row. Voilà. Là, Oblivion c'est fait. Alors ça va être un peu compliqué. Regardez la boutique, tout ça. Alors je vais vous donner mon avis sur le coaster. Centième coaster, déjà je peux vous dire qu'il ne sera pas filmé parce que il y a des caméras partout. C'est impossible. Ciao. Et donc voilà, alors je vais vous donner mon avis dessus. La drop elle est super jouissive, une dive c'est vraiment quelque chose de sympa. Alors j'étais à l'extérieur direct pour l'avoir à son plein potentiel, regardez-le.
Le BM. Allez. Avec Limmelman. Ouais, j'ai même le temps de faire des plans tellement il n'y a pas de monde au fond du parc. La petite hélix. Et en fait, ouais, c'est un layout sympa, franchement. Il peut être plus intense, je pense. Le cocon, on l'a fait que maintenant. Hein, donc je vais voir si je peux le refaire tout à l'heure en fonction des temps. Regardez, le monde arrive. Donc je vais filer tout de suite sur la tour. Alors je suis content que ce soit quand même mon 100e. J'aurais préféré que ce soit Raptor, mais vu l'affluence dans le parc, il fallait pas non plus tenter le diable. Et je vais aller vers ce space shot là. Regardez. Intamin, Freefall Intamin là. Voilà, personne dedans. Hein. Voilà. Donc, je vais faire les petits plans off-ride. Je vais la tester. Et voilà, c'est parti. Donc, on va tester cette tour. D'ailleurs, faut que je vois son nom. Mais c'est du Intamin, ça c'est sûr. Et là, on passe dans une espèce, j'ai l'impression, de capsule Soyuz à la Euromir. Et c'est vraiment bizarre la théma ici. Je suis pas emballé, franchement, par la théma. Pourtant, je suis pas difficile en termes de théma, mais là, je trouve ça fait très AirPod, vous voyez. C'est la tour Apple. Non, mais en vrai, je trouve que ça fait pas ouf, quoi. Toute cette file d'attente, il doit y avoir un monde fou quand c'est blindé, ça. J'ai très peur de. Alors, juste que j'ai pas fait le SLC direct parce qu'il y a 3 trains dessus, apparemment. J'allais faire après le coaster. Je pense qu'il faut attendre là. Voilà, c'est parti. Et je suis dans le 0 Girol. Oblivion. Alors, donc là, je vais commenter un peu ce tour parce que j'ai des choses à dire dessus. Alors, déjà, c'est une bonne tour. Elle a un bon décrochage, honnêtement. Elle est pas très haute, mais elle fait plus d'effet que des grandes tours. C'est souvent le cas. Les grandes tours font plus d'effet que les petites. C'est un truc que je comprends pas forcément. Là, vous voyez, il y a le main train. Moi, je me dis que le main train, il est assez long, il y aura moins d'attente. Je vais filer sur le truc Fabry, là, vous savez. Je vais aller créditer ça maintenant. Parce que j'ai quand même 6 coasters à faire ici. Ça et la pomme, là, parce que sinon, ce sera pas possible. Voilà. Allez, on se retrouve devant le prochain coaster ou d'un autre endroit du parc. Voilà les 2 crédits que je ne pourrais pas faire. Voilà, voilà. Donc là, direction le crédit là-bas. La sorte de spinning Fabry, je crois. Ça, oui, on pourra. Allez, c'est parti. Petit Kung Fu Panda Master. Alors ça, vous voyez, c'est sûr que c'est un débit pourri. C'est bien pour ça que j'y vais en prime. J'ai surtout pas envie que les enfants derrière moi me doublent. C'est ce truc là. Alors je fais la queue en entier pour vous montrer. À quoi ça ressemble? Il y avait un cut mais je l'ai pas pris, du coup ils me sont passés devant. Qu'est-ce que je fais pas pour le vlog, hein? Un petit pont. Ah ouais, je prends les fils en entier. Hein. Comme ça, ça laisse des engorgés. Et je vais entrer directement dedans. Allez, c'est ça. Voilà. Ouais, je donne mon avis après. Crédit en plus ici. Une pomme. Et une sorte de Happy Sailor. Là, voilà. Donc, je vais commencer par la pomme. Alors, que dire de ce coaster? Il n'est pas si intense, mais bien mieux que celui à Wally Beach West, là, vous savez. Il est beaucoup mieux. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. J'ai pas grand chose à dire dessus parce que c'est pas un coaster exceptionnel.
J'ai hâte de dire mon avis sur Raptor, vous en doutez. Donc là, elle est partie une pomme, après ça, et après, je sais pas, on va aller voir. Voilà. On commence par la pomme. C'est parti, Orto Bruco Tour on ride. Voilà, je vous avais dit que je filmerai un peu, j'ai amené mon harnais, je suis réglo et on m'a rien dit. Donc je filme, voilà. Alors je ne lèverai pas la caméra, mais j'ai pas envie qu'on m'embête. Alors j'espère que vous voyez bien. C'est parti. Je vous filme une pomme MDR. Une pomme qui a l'air assez longue en vrai. Ah, si je pouvais avoir le on-ride comme ça sur Oblivion, ça serait bien. Allez, c'est parti. On continue. Octo Bruco Tour. Il y a un deuxième lift. C'est une pomme avec deux lifts. C'est pneumatique, ça va assez vite. Regardez, c'est assez long. Hein. C'est assez long comme ride. Il n'y a pas vraiment de drop comme dans les pommes foraines. Regardez, il y a même un troisième lift. C'est quoi ce bazar? Attention l'hélix! Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est sensationnel! Oh mon dieu! Il y a un truc qui me touche. MDR. MDR. Qui a dit que je ne ramènerais pas des on-ride? Et non, c'était pas du tout en scred en plus, genre. Je suis remonté avec ma GoPro, j'ai mon harnais, vous voyez. Alors elle est pas ouf la vidéo, mais elle est dedans, voilà. Donc je suis content. Là je vais aller faire le Happy Sailor, je vais voir si je peux vous le filmer aussi, ce serait bien. Après j'ai encore trois attractions à faire, un cinéma, une sorte de... Je sais pas trop ce qu'il y a, je vais voir. Mais en tout cas là, je vais aller vers un nouveau ride. On va voir. Trop de monde du coup dans ce quartier. Du coup j'en profite, ils sont pas trop regardants sur les GoPro, là j'ai l'impression aujourd'hui. Du coup je vais pouvoir faire ça. Rider ce truc là. Alors c'est comme le le Hollandais volant, je sais pas le dire en allemand. Depuis, c'est exactement pareil. Ça s'appelle Peter Pan, voilà. Ça va être marrant de faire ça. Je fais des flats. Voilà. Et allez, je vous le filme. Bien sûr, c'est de la fausse neige, je dois dire. Un prochain ride, j'espère vous ramener une on-ride, on va voir. C'est parti, Peter Pan on-ride. C'est comme la petite tempête au PA. C'est le petit plus. Vous avez la chance que je vous filme, j'ai vraiment beaucoup de chance aujourd'hui. J'espère avoir cette chance dans Raptor. Ce que je pense pas malheureusement. Mais dans les flats, oui. Alors je pense que je tenterai quand même le on-ride dans Raptor, mais je vais voir.
Et voilà, vous l'avez vu, le Peter Pan. J'ai déjà ramené deux on-ride du parc. C'était mais alors pas du tout prévu, je suis très content. Regardez, ça c'est le coaster en question. Mais je vais pas le refaire pour la on-ride, c'est pas ouf et je pourrais pas bien filmer. Focaccia. C'est là où il y a les fameuses... vous savez, les fameuses pizzas super bonnes en Italie. Et là on est devant un coaster que je ne pourrais pas faire, voilà. C'est un peu embêtant, j'aurais bien aimé faire ces deux coasters, celui-là et le SS. Mais bon, c'est comme ça. Ouais. Donc là, je vais aller vers les autres rides. Je vais bientôt me diriger vers Raptor. Et j'ai regardé un peu les temps d'attente quand même, parce que ça me paraît bizarre, il n'y a personne. C'est très étonnant. Là, il y a des teacups. Je vais peut-être faire les... Ouais, je vais faire les teacups maintenant. Regardez, il y a des teacups. En fait, je fais tout le fond du parc maintenant, en tout cas, personne, vous voyez. Je vais faire ça. Les teacups. Et les tasses. On va tester les teacups. Dans la zone coucou, et après, direction les autres attractions, parce que j'enchaîne bien, ça va, mais je sens que je vais rencontrer du monde après. C'est parti, on va faire spinner. Elle spin pas beaucoup celle-là. Alors, c'est... Alors c'est moi qui sais pas faire spinner. J'arrive pas à les faire spinner du tout. C'est trop bizarre. Ça y est. C'est parti pour Ramsès, regardez. Voilà, on va tester ça. Je sais pas du tout ce que ça vaut, hein. Ça va être... Je pense que c'est une sorte de dark ride, je sais pas trop. Alors ça, vous voyez, c'est pour les Gardaland Express. Voilà. Il y a une minute d'attente. C'est... Pourtant, il y a du monde dans le parc, mais j'ai vraiment fait la bonne technique, voilà. Et je pense que je vais essayer de vous le filmer. Je suis en mode ouais, je filme tout et tout. En fait, je pense pas, parce que c'est un truc à 10 tirs, voilà. Allez, c'est parti. C'est parti, Ramsès. Je vais vous le filmer, je sais pas si ça donnera. Faut tirer dans les cibles, regardez. C'est pas évident de comprendre comment marche ce truc. Mais je suis à 17 points.
peut, si on tient appuyé, ça nous permet de viser. Et après, il faut tirer. Je commence à comprendre comment ça marche. De 132, la lumière n'était pas active tout le temps, malheureusement. C'est un peu cheaté du coup, je trouve. J'ai vu le on-ride de sorte de jeu de tir là, interactif Dark Ride. Sauf, ouais, il est pas si mal que ça, mais au début j'ai du mal à capter. Beaucoup l'ont détruit sur les forums, tout ça. Ça va, c'est vrai qu'il y a mieux, mais ça fait son taf. Bon, là du coup, ça va être l'attraction ici que je vais chercher. Je sais pas du tout ce que c'est, sort de truc de pirate là. Il paraît que c'est super bien. On va voir ça. Soit je filme ma GoPro, soit au téléphone, soit je filme pas. Je vais voir. Allez, on se balade. Alors pour l'instant, je suis très content de Gardaland. C'est un parc sympa, ça va. Et j'ai pas encore ridé le meilleur coaster du parc, c'est dire. Voilà. Là, je vais chercher l'attraction en question, voilà. Allez. Je sais pas du tout ce que c'est. Pourquoi ça sent l'eau? Corsari, ça s'appelle. Je sens que ça va être un truc qui mouille, ça va pas me plaire. Je me dis, je suis allé dans ce parc, je connaissais pas trop les autres attractions par les coasters. Alors, je vous fais pas un vlog très propre en mode cette attraction et ceci, cela. Non, je découvre en même temps que vous. Alors, ça s'appelle iCorsari. Et c'est marqué. Oula, pas tombé. En tout cas, la théma, elle est là, sur cette attraction, effectivement. Je comprends pourquoi on me disait de la faire. Ça a l'air très bien. Au niveau de la théma, en tout cas. Et je vais voir. Il faut attendre ici. Donc, ici, nous allons voir. Les barques et tout ça, on va voir ce que c'est. Allez, c'est parti. Voilà, c'est parti. iCorsari on ride. Je sais pas du tout si ça mouille le truc. Pour l'instant, c'est pas mal du tout. Ça se bagarre. Ah, c'est sympa. Prenez le deuxième bateau.
sais, il y a une petite descente, alors je me méfie là. Ah, c'est joli, c'est un bon dark ride aquatique, franchement. Regardez les linges, c'est la spécialité des Italiens ça, ils n'ont pas d'étendoir. MDR. Bon, je sais pas pourquoi, mais ma GoPro s'était arrêtée. C'est reparti. Ça se trouve, elle a pas bien filmé. Donc, si ça a pas filmé, il colle ça à lui. Regardez, je l'aurais pas en entier. Vraiment pas de chance. Ce n'est toujours pas fini. Regardez. Ah, moi je vous filme tout, hein. Je pense que c'est les mêmes bateaux qui quittent ce small world. Regardez, c'est vachement bien foutu, je trouve que c'était un vrai. Je parle de l'animal, hein. Voilà. Désolé de pas tout vous avoir filmé. Ça a bugué, je sais pas si j'ai vraiment tout filmé. Là. Oula. Ah, je suis mouillé. C'est super bien fait. J'ai bien peur qu'on ait une descente. Ça dure très longtemps quand même. Regardez, on est dans la mer là. Le bateau a coulé, je pense. C'est vachement bien foutu quand même. Et voilà, c'est fini.
Vous n'avez pas liké, commenter, partager, vous abonner, allez, ciao, bye bye. Ouais, c'est un truc super thématisé à ça. La sortie, elle est... Regardez, c'est la sortie. Mais avec des escalators. En vrai, c'est bien, on remonte plus vite, mais... What? Pourquoi des escalators? Alors, l'on-ride, j'ai vérifié, était bien donc en deux parties. Donc, voilà, vous l'avez eu. Vous avez rien loupé, hein. J'ai redéclenché la caméra tout de suite. Là, on a mon 100e coaster là-bas qui me rappelle. S'il n'y a pas trop de monde, je vais peut-être y refaire un tour. Sinon, que dire par rapport à ce parc? Déjà là, qu'il me reste plus que le simulateur à faire, la Madhouse, et je crois que c'est à peu près bon. Donc à vérifier, mais normalement c'est bon. Donc là, je vais voir peut-être refaire un petit peu Oblivion avant de revenir sur le simulateur. Je sais pas, je vais voir. Ça dépend du monde aussi. Il y a un simulateur, il n'y a personne, je crois que c'est bon. Ça va être lui en premier. Sur le thème du Dwayne Johnson, San Andreas. On va voir ce que ça vaut. Voilà. C'est parti. Alors là maintenant, je vais vous résumer un peu l'attraction, vu que je vais pas filmer dans le cinéma, c'est complètement débile. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Enfin, je le fais sur les formes, mais là c'est complètement débile, parce qu'en fait, c'est un 4DX un peu comme dans les cinémas que vous avez chez vous. En un poil moins bien, je trouvais, et en fait ça résume les grandes cascades du film San Andreas. Du coup, je sais pas si le film a déjà été en 4DX, mais c'est pas le cas, ben voilà, vous l'avez là. Sinon, moi là je vais retourner peut-être sur Oblivion, il y a que 5 minutes. Je vais essayer de demander à filmer, on va voir si ça passe ou pas. Et après, ben, il me restera 3 coasters à faire. Raptor, Mammouth et Blue Tornado, qui affichent tous 5 minutes. Donc je vais aller faire en first row. Et là, hop, Oblivion, c'est parti. J'ai refait Oblivion et la tour là. J'ai essayé de passer avec ma GoPro, j'ai pas fait en scred, rien, bon, on m'a pas voulu que je filme. Bon, je pense que là par contre le train Mammouth et bon, je vais aller faire Raptor d'abord, hein, parce que voilà, il faut que je le fasse. Et après je vais tenter de filmer dans les deux autres. Si on me dit quelque chose, je vais le faire en scred, c'est des petits coasters. Mais celle-ci, je sais pas, je vais voir, mais le train c'est sûr, je vais vous le filmer déjà. Et là, je vais aller vers Raptor. Parce que faut que je le fasse, faut que je donne mes avis dessus. Voilà, allez, on va à Raptor, c'est parti. Jurassic Park. Je pense que dans cette forêt se cache un Wing BM. Ah, je suis content parce que c'est celui qui m'attire le plus dans ce parc. J'ai vraiment. Et ça redonne du baume au cœur après pas avoir le droit de filmer là, ça m'a un peu énervé. Je comprends vraiment pourquoi les parcs vous interdisent de filmer, c'est très chiant. Et au bout d'un moment, les parfums, ça va être, vous avez qu'à nous. Bon, il y en a un, il va réussir, il va faire tourner la vidéo pour qu'on la mette tous. C'est chiant, quoi. Genre. Je sais pas, c'est comme si. C'est comme si tu tournais un film et que les gens, ils payaient pas leur place de cinéma. Tu fais du travail pour. T'as rien en retour, quoi. Si je viens dans un parc, je peux même pas filmer. Je peux pas vous amener de contenu. C'est pour ça que je préfère quand même les fêtes foraines au parc d'attractions. Parce qu'une foire, eh ben, je peux filmer. Je peux vous mettre du contenu. Regardez. On a un Wing BM ici. Un Wing BM. Alors, voyons voir. C'est quoi ça? En transe. Ah, je crois que là. La single, elle est fermée, je crois. C'est super. Heureusement qu'il n'y a que 5 minutes. La single a l'air fermée. C'est pas de chance, me direz-vous. Bon, on va voir. Combien il y a de. Bon, là, il y a un cut. Je le saurai pour tout à l'heure. Je crois qu'il y a un Wing BM qui est en train de partir. Regardez-moi cette beauté! Oui, j'aime les Wings! Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! Oh, j'ai vraiment hâte de le rider. Si je filme, je ne crierai pas le nom des inversions, mais. Voilà, il a droppé là. Ah, il y a des cuts partout en fait. Mais voilà.
Dans l'inline twist. Rayonne. Je regarde un peu les cuts disponibles. Alors la TMAF est très container, mais là c'est pas dérangeant. Parce qu'on est sur l'inline twist justement, voilà. Je me suis trompé d'inversion. Je sais pas ce que c'était. Je suis en train de me concentrer pour pas me perdre. Ouais, je disais la partie container, ça fait très cheap encore une fois, mais par rapport à Jurassic Park, je trouve que ça s'y prête bien. Et en fait, il y avait encore une cut. Là, je suis en train de faire tout ça pour rien. Regardez. Il y a une cut ici. Ce qui est complètement bête, si j'avais su. Voilà, l'entrée sera là directement. Tout à l'heure, je prendrai par là. Ça commencera maintenant. Ça fait quand même économiser 3 minutes, mine de rien. Voilà. À 4 personnes, 2 personnes, j'ai pas trop compris ce que c'est. Voilà. Security checkpoint. Allez, on reprend après les, justement les security checkpoints là. Je pense pas qu'on m'autorisera à filmer encore une fois, ça va m'énerver, mais bon. Je vais profiter du ride. Vous n'aurez pas d'on ride, sauf si quelqu'un m'en passe une. Gentiment, je vais voir, mais. Voilà, je n'en piquerai pas. Hein. Allez, c'est parti. Oh, regardez. La file d'attente. Comme vous voyez maintenant. Ça a l'air à peu près safe. Je pense que je pourrais quand même tenter de filmer. Je vais voir. Je sais pas si ça c'est des caméras ou si c'est des flashs. Mais vous voyez, il n'y a personne. Personne à Raptor. Je vais pouvoir bien en profiter. Je pense même que je vais rester un moment dessus un peu là. Genre 2-3 fois. Et après, j'irai faire les autres coasters du parc. Et du coup, voilà, on va attendre l'arrivée du train. Alors vous voyez, il y a une file ici pour ce côté, pour le côté gauche, et une file là-bas pour le côté droit, tout simplement. Regardez, voici l'arrivée du train. De Raptor. C'est donc un Wing BM, mon premier. Le voilà. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau. Voilà, c'est parti. Alors, j'ai pas pu vous filmer Raptor, mais je l'ai fait 2 fois. Donc, je vais pouvoir donner mon avis concrètement de ce que j'en pense. Et je vais essayer de trouver un endroit pour rejoindre 2 autres coasters du parc. Alors, déjà, pour vous donner mon avis, déjà, j'ai pas pu filmer parce que les harnais sont assez hauts en plus, de toute façon, donc j'aurais pas pu. Et deuxièmement, je l'ai fait à 2 places, l'intérieur et l'extérieur. Alors, l'extérieur est pas si fluide que ça par rapport à l'intérieur. Regardez. Ça, c'est le nouveau parc aquatique qui va avoir lieu ici. Et alors, l'intérieur, il est fluide. Mais l'extérieur, il y a des sortes d'à-coups au bas, genre vers le haut, vers le bas. Je sais pas trop pourquoi ça fait ça. Je vais attendre qu'il chauffe un peu, là. J'y reviendrai après. Je vais faire les 2 derniers coasters. Donc, souhaitez-moi bonne chance, parce que je vais faire... Bon, un Mine Train, ça devrait aller, mais je vais aller faire un SLC. Oh là là, mon Dieu. On va voir si les pires vampires ou pas. Bon, allez, on se retrouve à Mammouth. Les 2 derniers crédits de la journée, 104e et 105e. Là-bas, on a Blue Tornado. Mais commençons par Mammouth. Alors, je sais pas du tout ce que ça veut dire, ce 5 euros là. Mais 5 minutes, je vais le rider comme ça. Alors, je vais vous ramener normalement là on ride. J'espère pas avoir d'ennui. Je vais vous la faire en mode ouverture du blouson. Sur le SLC, pareil. Regardez, je cut. Direction Mammouth. Alors je monte la file un peu parce que je fais un vlog complet et je sais pas si forcément lui je le referai. En tout cas, le SLC, c'est sûr, je vais vous le faire qu'une fois. Je vais vous le filmer parce que voilà, c'est la mort ce truc, je pense, comme tout le SLC. Hein. Là, on voit bien les rails Vekoma quand même. Ah, bien sûr, je vais essayer d'avoir le first row. Pour bien vous filmer. C'est un minimum 1m10. Thank you for your attention. C'est complètement débile de cutter comme ça. Parce qu'au final, il y avait un passage là, elle a pas très compris la gamine. Là par contre, c'est très intéressant de cutter par là.
Là, par contre, elle va nous passer devant. Donc, voilà le main train. Ça va être très dur de faire un top là parce que les deux BM sont un peu en dessous de ce que je pensais niveau level. Après bon, je suis en début de journée, on va voir, hein. Il fait froid aussi. Ouais, il s'est trompé de fil. Direction le first row du coup. Direction le first row, regardez. Voilà le train qui part. Et nous on embarque juste après. C'est parti, Mammouth on ride. Ça continue. Je vous ai passé le lift parce qu'en plus on passait dans la caisse. C'est pas si mal que ça. Ah, ça vibre un peu là. Il y a encore un troisième lift. Je sais pas si vous voyez comme moi, mais je peux pas faire mieux. Il y a un troisième lift. Bon, comme j'aurais pas le temps de le dire, vous pouvez bien sûr liker, commenter, partager, vous abonner à la chaîne, hein, évidemment. Et après la troisième lift, je couperai bien sûr. Voilà. J'ai envie de continuer à profiter du parc. Qu'on remarque ici, c'est que les sorties des attractions sont dans la bouffe. Ils ont tout compris là-bas. Regardez, par contre, c'est sympa les au niveau de Blue Tornado. C'est là où on va aller, prochain coaster. Alors vous avez vu, j'ai pu vous la voir. Je suis tellement content et je vais essayer de faire pareil dans Blue Tornado. Voilà, Blue Tornado qui est là. Alors j'ai jamais compris ces fils spéciales là, mais c'est parti. Alors on va parler quand même de Mammouth un minimum. Alors c'est un Vekoma, un main train Vekoma qui vit pas tant que ça, sauf sur la deuxième partie où franchement sa deuxième portion, ah c'est des transitions foireuses quoi. Regardez, en termes de transitions foireuses, regardez, on a du SLC, on a encore du Vekoma. Ça va être drôle ça. Ah donc ça va être drôle aussi. On va rigoler. Sinon ouais, Mammouth, à part ça, la première et la troisième partie c'est bien. Je dirais que c'est du même niveau que El Diablo. Et peut-être un tout petit peu mieux parce que la théma qui passe entre... La théma est mieux, ouais. La théma est mieux, il y a un peu plus de G aussi sur le... Sur la dernière partie que par rapport à justement El Diablo. Et aussi, même si la deuxième transition elle est vibrante, elle n'est pas aussi foireuse que El Diablo. Enfin, l'autre c'est juste court, il y a quand même quelque chose là, mais... Voilà, on sent que c'est pas fluide comme du BM, quoi. Mais sinon, ouais, ça va, il sera devant El Diablo en gros. Mais pas non plus très haut dans mon top. Et là, vous voyez, ça va être super haut dans mon top. Non, je déconne, c'est une blague bien sûr. Ça va pas être très haut, je pense. Enfin, je dis ça, mais ne vendons pas le coaster tant que nous l'ayons pas fait. Quoique, il s'agit d'un SLC. Donc je sais à quoi m'attendre. Je vais ressortir de là pas très frais.
je vais vous filmer. Enfin, je vais essayer de vous le filmer. Si j'y arrive. Si on m'embête pas trop, voilà. En tout cas, là, c'est passé. Hein. Alors, je vais le tenter hein, sur en first row. Voilà. J'allais au first row. Il faut attendre. Allez, à tout de suite. C'est parti, Blue Tornado on ride, un SLC en... C'est parti. C'est un SLC. Oh mon Dieu. Bon courage. C'est pas le moins pire. Waouh. Il bave pas trop celui-là. Waouh. Ah waouh waouh. Ah waouh 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 waouh. Ah ça baffe. Ah ça baffe. Ah je mets la tête en avant. Voilà, c'était Blue Tornado. Comme il faut liker, commenter, partager, vous abonner. Ciao. Bye. Vous avez bien vu, la on ride de Blue Tornado, c'est fait. Je suis assez fier de moi, je vous avoue. Je suis très content d'avoir pu le filmer. J'espère que mon manteau déconne pas sur le on ride, ça je verrai bien chez moi. Mais j'ai essayé, je pouvais pas genre empêcher que ça se voit, si jamais ça se voit. Parce que tout simplement, c'est le confort du ride quoi. Il fallait que je me tienne warné pour pas me prendre des baffes. Alors l'astuce, c'est que j'ai moins eu pris cher que dans Vampire. Est-ce que c'est parce que j'ai vachement plus mis la tête en avant? Ou est-ce que c'est parce qu'il est un poil moins dégueulasse? Je pense que vraiment, il est un peu mieux. Donc Vampire va garder sa place de number one. Quoique, je sais pas, il y avait un truc qui était bien pire que ça dernièrement. J'avais trouvé pire, il me semble. Mais bon, Vampire reste à la place où il est. En termes de dernière position. Ça, c'est quand même au-dessus de... C'est quand même au-dessus de Vampire. Là, je suis un peu paumé, mais ça va. Donc là, il me reste plus qu'une attraction à faire dans le parc. Voilà. Et il va être 14h. Donc, il me reste 4h pour faire rider à nouveau des coasters. Sachant que là, il me reste que la Madhouse à faire. Je m'en suis très, très bien sorti pour une journée de très forte affluence. Il y a eu du monde, hein, quand même, hein. J'ai fait tout le parc en 3h30. Là, j'ai géré, je trouve, quand même. Enfin, je trouve. Hein. Donc là, c'est tout l'endroit où j'ai couru ce matin, que vous voyez. Et en fait, si je continue la vidéo, c'est justement pour avoir la off-ride de Blue Tornado en passant. Tant qu'à faire. Ça m'évitera de m'arrêter exprès pour ce coaster. Alors, ce coaster, bah, il est pas si ouf que ça. C'est un SLC. Oula, vous voyez plus rien du tout, là. À cause du soleil. Je fais une petite photo hein, en même temps, même si c'est pas ouf, je fais la petite photo. Voilà, donc là je vais commencer à donner mon avis global sur Gardaland parce qu'au final, à part la Madhouse, j'ai à peu près tout fait. Ben honnêtement, pour un parc soi-disant qui est super bien en Europe, ben il y a mieux, honnêtement. Je préfère le dire, je cache, hein. Mais c'est quand même un parc pas trop mal. Il y a des bons BM, mais ils sont trop courts ces BM, genre Raptor pour l'instant. Regardez, voilà là, Blue Tornado. Le problème, c'est que si vous faites Raptor à l'extérieur, il est pas très fluide. Hop là. Je sais pas ce qu'il a sur SLC, mais j'ai l'impression qu'il est plus grand que les autres. Alors c'est une impression, je sais pas. Mais mon Dieu, sur la fin, qu'est-ce qu'il est pas fluide. Au début, franchement, ça va. Mais c'est vraiment à la fin. Genre, vous voyez, Vampire, c'est tout le long du layout. Mais lui, là, la drop, on peut l'apprécier un minimum.
je trouve. Par contre, ah non, non, vampire, là, vous commencez à tromper, c'est déjà fini. Moi, je ne me souviens même pas du ride de... J'ai même pas eu de sensation dans ce ride, alors que là, oui. Là, j'ai eu des sensations dans la drop, j'ai eu des sensations dans la première inversion que vous avez là. Voilà, je commence à avoir des choses sympas. Regardez, ça forme un petit cœur, là, vous voyez, c'est le rollover. Ouais, non, donc dans le rollover, c'était pas trop mal. Mais non, non, ça, après, ça dépend, franchement. Mais celui-là, il était pas trop mauvais comme celle-ci, ça va. On verra bien celui d'Energylandia, c'est des mieux. Et là, donc, je me dirige tranquillement vers la Madhouse, voilà. Regardez, on a une sculpture là sur la droite, sur la gauche. Et je pense que ça justement c'est le Fuga des Atlantides, c'est le water coaster. Ah, il me semble que c'est ça. Et du coup là vous le verrez pas. Vous le verrez pas. Déjà vous avez pu voir la zone Legoland, c'était très bien. Allez, on propasse vers le château où j'ai couru ce matin pour aller choper le first throw sur Oblivion. Mais étonnamment, pour l'instant, je préfère Oblivion à Raptor. Je pensais préférer Raptor. Du coup, pour l'instant, mon ride préféré du parc, c'est mon 100e coaster. C'est Oblivion, voilà. Donc, c'est pas mal. J'espère que Raptor va être mieux avec les heures à venir. Je vais alterner sur les deux, en fait, après. Et je vais peut-être me faire un petit repas sur le parc à un moment, parce que j'ai la dalle, j'ai pas mangé, et je vais voir. On va quand même vous faire tester un repas, ici. Regardez, c'est la zone pour enfants, pardon. C'est toujours gosse, moi, mais je devrais dire enfant. Alors, le meilleur restaurant ici, c'est où? J'en sais rien. Ouais, c'est par là que j'avais pris... Alors, je vais vous montrer un truc. Regardez, Excalibur, le petit, il essaie d'attraper. Alors, je vais vous montrer un truc qui est... Par contre, regardez les prix. C'est pas ici que je vais manger. Vous avez un compteur de personnes qui passent dans l'attraction. Par exemple, là, ça vous marque 41. Vous voyez assez mal, mais voilà. 41. Du coup, ça veut dire que bah, quand il n'y a plus 41 personnes, bah, après, ça bloque. C'est quoi ce sable, là? C'est du sable blanc. C'est assez marrant. Ouais, du coup, en fait, ça bloque. C'est-à-dire que, je m'explique, quand ça met zéro, la barrière se ferme. Il faut attendre que le tour passe. Et ensuite, ben, y a d'autres personnes qui peuvent revenir. Si le ride a 40 places, ça a marqué 40. Zéro, ça va bloquer et ça va remettre 40 une fois le ride terminé. Alors, ce qui est bien, c'est que ça évite plein de monde dans la gare des coasters. Ça, c'est vraiment un bon point. Enfin, du coup, ça peut rallonger les files d'attente. Et du coup, ils savent exactement combien il y a de personnes et ils peuvent demander à quelqu'un de compléter. Ce qui en soi est pas mal non plus. Donc là, je vais vous montrer un peu le land pour les enfants parce que c'est vers là-bas apparemment où est la Madhouse. Donc, vous voyez ? Alors, ce land est sans doute va vous rappeler celui de Port Aventura parce que c'est la même personne qui l'a fait. C'est le même dessinateur, c'est le même concepteur, regardez. L'arbre, ça vous rappelle quelque chose ? Et voilà. C'est ça. Et là-bas, derrière, vous avez un raptor qui se cache. Voilà, voilà. Ah, je m'attendais pas à rider du coaster à cette date, vous voyez. Alors, si je suis chaud, je monterai peut-être dedans. Juste pour filmer Raptor, mais je pense pas, en vrai. J'ai la flemme. Voilà, bon, je vais chercher la Madhouse. Excusez-moi parce que la Madhouse c'est juste là apparemment. Ça s'appelle Magic House. J'espère que c'est bien ça. C'est ce qu'on va voir. Et après ce sera fini. Voilà, j'ai fait le tour du parc. Voilà, voilà. Donc je suis très content d'avoir pu tout filmer. Enfin quasiment tout. En fait je vous ai tout filmé. Sauf qu'est-ce que j'ai pas filmé? Bah, 3 coasters. J'en ai eu 3 sur toutes 6 et je vais pas me risquer à vous filmer les autres. J'aurais bien aimé, mais voilà, déjà, c'est pas mal d'on-ride, c'est déjà bien. Et voilà, regardez là-haut, il y a un raptor qui va dropper. Voilà, il a droppé. On va l'attendre là-bas, on va l'attendre. Si on va le voir, attendez. On est en train de patienter pour la Madhouse, alors autant. Je trouve que ce coaster ne va pas vite, honnêtement.
il est assez lent. Regardez, il est super lent. Je sais pas si c'est normal. Mais il est lent. Voilà, on va faire ça. Vous avez là, regardez, c'est marqué halt parce que c'est occupé. C'est bloqué et après il y aura un chiffre qui va s'afficher quand on va pouvoir rentrer. Voilà. Pas trop ce que c'est. Enfin, on n'est pas dans la madhouse proprement parler, mais on attend, vous voyez. On va voir ce que ça va donner. Après le pré-show, nous nous retrouvons ici, regardez. L'entrée, regardez, c'est thématisé comme ça. Voilà. On voit pas grand-chose, mais voilà. Hors de la madhouse, on peut pas filmer à l'intérieur. Et voilà à quoi ça ressemble. C'est vraiment sympa. En vrai, c'était très très sympa. Je sais pas, c'est la sortie là. Alors, elle est bien décorée. On a vraiment l'impression que ça tend. C'est très bien fait. Et voilà, moi je vais aller chercher un truc à manger, faire des photos. Et on se retrouve sur les 2 BM. Voilà. L'instant pas bon du tout. Pas bon pour la santé. Coca, frites, hamburger. Voilà. Au Blue Tornado du coup, et après direction les BM. Je vais vous faire des petits plans dessus. Voilà. Ouais, à tout de suite. Bon appétit. Voilà, alors je viens de manger au Blue Tornado. Alors j'ai quelques petites choses à dire. Déjà, premièrement, le premier truc qui est très bien de côté du parc, c'est qu'ils font le tri sélectif. Et moi, j'y comprenais strictement les poubelles. Et la personne m'a expliqué où mettre les trucs. Donc ça, c'était vraiment top. Donc là, maintenant, direction, je vais aller faire des petits films, des coasters, voilà. Raptor qui drop. Le voilà. Petite prise de vue de Raptor. C'est justement là que je vais pour Chain Ride Raptor. Et voilà les amis, regardez, je vous montre un peu à quoi ressemble le parc de nuit. Pas qualité de ouf. Alors attendez, je vais essayer de nettoyer un tout petit peu l'objectif. Voilà, ça améliore un peu. Et ouais, on est devant un SLC pour finir. Non, je déconne. Alors, on va quand même essayer de voir autre chose qu'un SLC. Alors j'ai voulu refaire une dernière fois Oblivion là. Alors, en vrai, je l'ai fait 16 fois en tout. Je l'ai vraiment fait beaucoup de fois.
Enfin, je voulais refaire une fois pour être à 30 rides, en termes, 30 tours de coaster. Mais du coup, je n'ai pas eu. C'était fermé, là, tout est fermé. Il est 18h. Donc là, je vais essayer de trouver la navette. Voir s'il y a éventuellement un spectacle à l'entrée, parce que j'ai l'impression que ça chante, là, pour vous filmer ça. Et puis, ce sera déjà bien, voilà. Et je pense que tout le monde est allé là-bas, vous devez avoir une parade. Donc, je vais aller voir ça. Et prendre la navette avec les gens pour pas non plus me perdre. Parce que j'ai un train à prendre encore pour rentrer chez moi. Et je dois manger aussi, enfin... Vous voyez le genre, quoi. Et oui, vous avez bien un SLC devant vous. Voilà. Pour finir la journée. Mais Oblivion est un très bon coaster, donc que j'ai classé 8e dans mon top. Juste devant Osiris. Voilà. Et donc le 10e de mon top est donc maintenant Vodan. Vous voyez quand même, le 10e c'est Vodan, c'est quand même un bon top. Et en 11e, Raptor, juste derrière Vodan, finalement, entre Vodan et First Baco. Voilà, donc pour moi, quand même, ça reste Oblivion le meilleur coaster du parc. Ça se voit qu'il est récent parce qu'il est super fluide, aussi fluide que Black Mamba et Shambhala. La Dropola, c'est surkiffante. Au First, c'est très bien aussi, surtout l'airtime, il est top. Bah, c'est une dive, c'est un peu court. C'est dommage parce que ce serait plus long, évidemment, il pourrait être plus haut dans le top. Du coup, c'est pas devant Red Force, évidemment. Mais il y aurait un ou deux inversions en plus, ça pourrait éventuellement être devant Red Force. Voilà, donc, peut-être qu'il y aura une dive immense que je ferai un jour. Je pense à Gatekeeper par exemple. Des conneries. Je pense notamment à la plus grande dive, là je crois qu'il y a Cedar Point. Je sais que là-bas justement, ce que j'allais dire, il y a Gatekeeper qui est un wing assez grand, donc je pense que là-bas il y a. Mais je pense quoi, il y a éventuellement une dive qui peut passer devant Red Force par exemple, à voir. Allez, on va à l'entrée. On est dans le hall où il y a plein de lumière. Okay. Donc là, maintenant, direction la navette. Et je vais essayer de vous la montrer. Parce que je ne l'avais pas bien montré ce matin. La navette du parc, ce que je vous disais, regardez comme elle est mignonne. Bon, vous voyez pas grand-chose, ça. Il y a Raptor, là. Regardez. D'ailleurs, vous allez voir. Voilà, au revoir la navette. Bonjour la gare, bonjour le train et direction Vérone. Alors maintenant, je vais vous faire une petite visite de Vérone au réflexe et je terminerai le vlog là-dessus. Donc du coup, petit instant débrief sur Gare d'Aland. Je vous montrerai la gare un peu. C'est un parc sympa, il y a des bons coasters. Pas au niveau de Fantasme et en termes d'intensité et de top coaster, mais c'était bien. Voilà. Ouais, je vous dis à tout à l'heure pour Vérone. Et voilà, donc on va finir le vlog, comme j'ai dit, par une visite de Vérone. Regardez, c'est super beau. Voilà, vous avez des rues commerçantes. Et là, on a un premier monument ici, voilà. Je ne peux pas vous dire le nom, ni le prononcer correctement. Donc je vous montre juste, voilà. Allez, je continue. Donc on continue le vlog, là, sur la place centrale, place Jardin, vous voyez. Avec un marché de Noël, là-bas. Allez, je vous montre un peu. De finir le vlog quand même par une notion un peu touristique avec une sorte d'arène là-bas aussi. Vous voyez ? Et là-bas, une sorte de palais de justice. Voilà. Regardez, nous voici maintenant devant les arènes. Et non pas la station des arènes à Toulouse. Hein. C'est pas la même chose du tout, là ça se voit. Et juste à côté, regardez, nous avons une rue qu'on fait un peu la rue Sainte-Catherine, c'est un peu pareil. Donc on va voir un peu ce qu'il y a. Tout est fermé je pense, mais regardez, c'est sympa. Voilà, en visite. Voilà les amis, on finit avec la Basilica San Zeno de Maggiore, qui est juste là, voilà. Et avec ici le fleuve que vous voyez là qui passe. Voilà, voilà, donc c'était la petite visite de Vérone pour finir le vlog à Gare d'Aland aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, vous pouvez liker, commenter, partager la vidéo, vous abonner. Vous avez le YouTube en bas et le Discord pour qu'on discute tous ensemble. Franchement, Gare d'Aland, c'était un parc sympa, ça va, j'ai bien aimé Oblivion. Raptor, il y a, à part le SLC, il n'y avait pas vraiment de mauvais coaster. Bon, je dis ça, mais il y en a deux justement qui auraient pu être mauvais, le SCS et le... Quoique le SS, je sais pas, mais surtout l'autre Vekoma, mais bon, du coup, je les ai pas fait, ils étaient fermés. Voilà, et sinon, ouais, top, parce que sur... Bon, Oblivion, j'ai pas eu le RT, mais sur... Sur Raptor, à un moment, je suis resté 4 fois dans l'attraction parce qu'il n'y avait pas grand monde et ils m'ont donné le RT quand même, un triple RT.
Je l'ai fait 4 fois sans sortir de la file normale, donc ça c'était super cool. À croire qu'en ce moment je les collectionne, les ERT. Mais voilà, c'était top. Allez, à la prochaine. Et je précise que c'était le dernier vrai gros trip de la saison. Il y aura peut-être Limoges, mais voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié. C'était la dernière vidéo au parc avant 2020. Je ferai une vidéo à la chaîne en fin d'année pour expliquer un peu les projets de l'année prochaine. Car ça va être encore plus ouf, je pense. Voilà, si c'est possible. Je vous dirai un peu qu'est-ce qu'il y a en projet. Et moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye bye les fans de ride.